Yo les gens, c'est Isokai, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre, on se retrouve pour un petit concours. Voilà, un petit concours pour un compte Naruto Blazing qui est quand même pas mal avancé, mais qui est quand même bien garni niveau personnage. C'est vrai que je fais pas souvent de concours, simplement parce que des fois on me propose pas des comptes. Et le seul concours que j'ai fait, c'était pas trop bien passé parce que la personne justement avait récupéré son compte. Mais cette fois-ci, je connais bien mieux la personne que la dernière, hein, parce que la dernière, en fait, je la connaissais pas du tout. Hein. Cette fois-ci, celle-là, je la connais. Pour ceux qui sont sur Discord, vous savez très bien, comme vous avez pu voir au nom du compte, c'est l'enfer, voilà. Qui me donne son compte pour le faire gagner. Donc déjà un grand merci à lui. J'espère que la personne qui aura ce compte en fera bon usage. Bien évidemment, on va pas juste faire ça, on va aller regarder ce qu'il y a dans sa box pour vous montrer un peu de quoi la box est faite. Donc moi, à chaque fois qu'on fait un don de compte, j'essaie toujours d'inciter la personne à garder son compte. Parce que voilà, il m'a dit qu'il préférait se concentrer sur ses études, sa vie professionnelle, et même que le jeu, déjà, le lassait, il était vraiment plus motivé par le jeu, limite, j'ai vu, il récupère même plus ses perles, en fait. Là, je les ai laissées dans les cadeaux, il y a 3-4 perles dans les cadeaux, je les laisse, au cas où si c'est quelqu'un d'iPhone qui les gagne, au moins, il pourra quand même les récupérer pour le peu qu'il y a. Mais c'est un compte bien avancé, mais à mon avis, voilà, en ce moment, il y a la Shino qui est nouveau, il y a un prochain M qui arrive, il y a le Phantom Castle, il y a le PVP, parce que ce compte est extrêmement bien garni en PVP. C'était plus un joueur PVP que PVE, donc vous serez plutôt pas mal. Je vais un peu régler la cam au passage, voilà. Donc, vous voyez que franchement, il était en flemme totale, hein, il n'y avait même pas les levels max. Après, ça, c'est pas très très grave, ces genres de perso. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? On va regarder en termes de BF. Donc déjà il y a la Sakura, extrêmement fort en breverie, Kakashi, deuxième meilleur Earth du jeu. Il y a Hinata, il y a Neji, il y a Zabuza en PVP, c'est un joueur PVP avant tout, n'oubliez pas. Ah merde, forcément j'ai cliqué sur le personnage. Ah, cette souris, j'ai envie de l'exploser vivement que je la change. En gros, des fois elle a un bug, elle fait des doubles clics au lieu d'un clic normal. Je vais cliquer sur le truc à droite au pire. Il y a Obito en Blazing Fest, regardez, il y a Gai en Blazing Fest, il y a Gaara et Lee. Il y a Sasuke CM2, il y a la Tsunade Ultimate Bravery qui est extrêmement forte. On a un Pain aussi en Blazing Fest. On a le Naruto Rikudo qui est présent dans ce compte. Donc ne vous inquiétez pas, il me semble qu'il est... en gros, il a toutes les habiles les plus importantes, il a juste pas la réduction de chakra. Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas de Sasuke Rinnegan, mais bon, en soi, c'est pas très très grave qu'il n'y ait pas Sasuke Rinnegan. Hop là, on descend un peu, on a le Hashirama, voilà, qui est pour moi le meilleur body actuellement. On a Minato KCM qui vivement son limit break, on a un Tobirama qui est très bon, qui va aussi avoir son limit break. Il y a la Sakura GG qui l'a, il a Obito, Wisdom très bon BF, on a un Naruto skill, un Itachi. Il n'y a pas les limit break par contre, j'espère que vous êtes motivés à limit break. Les persos sont présents, les persos qu'il faut, il les a, mais pas les limit break. Donc pour ceux qui auront la chance d'avoir le compte, foncez, allez limit break ses personnages. Si bon là il l'a mis 140 le Sennin, je sais pas s'il a Cosmo 28, je vais aller voir ça. Ça m'étonnerait mais... Ok, il a déjà deux habilités comme moi en plus, donc voilà, il est déjà bien réduit. Donc plus qu'une un seul doublon et il sera en moins 28. Il y a le Madara voilà, indispensable qui est présent. On a un petit personnage exclu, la Kushina Body qui est en exclu, donc plutôt sympa. On a quoi? On a le Sasuke Kirin qui dépanne toujours. On a One Tail. Il y a quelques persos Shippuden. On a le Minato. Il y a pas mal de 6 étoiles quand même. Beaucoup de old school. Bon là, il y a le Jinpachi en EM qui l'a farmé. Et quelques 5 étoiles natives qui sont pas montées. Bon, ça, je peux comprendre. Même qui ça met. Mais voilà, franchement, il y a des BF essentiels. Il en manque quelques-uns, mais les plus importants, on va dire qu'il les a. Peut-être, je dirais Sasuke et Negan, peut-être qu'il manque. Mais on va regarder en termes de Blazing Bash, que les gens sont maintenant omnibulés par le PVP. Donc voilà, vraiment, il m'a dit, franchement, ce qui est un peu dommage sur son compte, ce qui lui manque vraiment, c'est le Hashirama PVP. Pour qu'il soit tranquille, il m'a dit. Et là, on peut voir que le compte en termes de PVP, franchement, il est bien. Il est même très très bien. Il y a Hinata, il y a Neji. Alors, on va voir en termes. Comment on peut voir? On peut voir en termes de luck. Pour voir. Donc là, on est en 20, 20, 10, 10. Mais je crois qu'il a mis des pierres, non? Je vais voir.
Et genre, il me semble que sur Madara, il a mis une pierre pour la pour l'ignore le dodge. Enfin, pour justement empêcher de miss. On va voir. Donc là, on a combien d'habilités? On en a pas. Il me semble que sur Madara, il en a. Je vais aller voir ça. Voilà, il en a mis une. Voilà, il en a mis une. J'avais bien raison. Donc, il a la première qui est quand même assez importante. La deuxième qui l'est aussi. Sinon, bah voilà, il a une habilité sur chaque Blazing Bash. Donc, voilà, je pense que ça devrait déjà être pas mal pour vous convaincre à essayer de participer. En termes de... On va voir, tiens, c'est, ça, c'est pas très important. Mais, ah, et il a quand même pas mal de ramen, hein. Putain, oui, il en a plus que moi, limite, en 4 étoiles. Donc, voilà. Donc, franchement, un compte plutôt bien garni. En story, c'est tout farm. Je préviens, en story, c'est tout farm. En PVP, vous commencerez speedrunning, voilà, vu qu'il a dépassé le speedrunning, bah, vous ne retomberez pas plus bas. Donc, pour ceux qui ont eu du mal à grain, bah, au moins, là, vous êtes garanti d'être... de commencer sur un bon début. Pour ceux qui veulent vraiment farmer le PVP, comme j'ai dit, c'est plus un compte PVP que PVE, même si en PVE, franchement, il a des trucs. On va regarder, bah, ça, il l'a pas farm. Ça, il l'a pas farm, voilà, c'est Paco. Ça, il a tout farm, ok. Il a tout fait, ça. Ok, il a tout fait. Les trucs vraiment anciens, il a fait. Je pense que maintenant, tout ce qui est nouveau, ce sera pas fait. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, j'aurais fait un tweet pour participer au concours. La vidéo YouTube sert juste pour justement donner de la visibilité au concours, enfin donner plus de visibilité au concours. Mais ça ne sert à rien de mettre « je participe » en commentaire. Voilà, le plus important, c'est dans la description, il y aura le tweet et il faudra RT, Fav et me follow. Et voilà, ce sera juste ça, hein, ce sera les seules conditions. Je demande pas de RT et de FAV pour de la pub, hein, c'est vraiment en fait pour le concours, pour Twitter, pour le logiciel pour tirer les personnes. C'est vraiment trié par RT et FAV et abonnement en fait, c'est vraiment comme ça. Donc c'est pas pour en mode ouais les gars partagez, comme ça fait plein de vues. Non. Faut vraiment partager le tweet, c'est vraiment comme ça. Donc vous verrez de toute façon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous verrez sûrement le concours. Encore un grand merci à l'enfer. J'espère bah, justement tes objectifs pour ta vie professionnelle, tu m'as dit, pour tes examens, pour ton diplôme, tout ça, bah tu réussiras parce que tu m'as quand même passé ce compte pour te concentrer là-dessus. Et en espérant que vous gagnez, enfin qu'il y aura un gagnant qui fera bon usage de ce compte. En tout cas voilà, c'était Isoka, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.